Pour faire une tarte au citron, prenez une pâte brisée ou sablée, 4 citrons, 150 g de sucre, 3 œufs, 250 g de beurre, le zeste de 2 citrons non traités, une cuillère à soupe de maïzena. Préparez la pâte si vous n'utilisez pas une pâte toute prête. Préchauffez le four à 180 degrés, thermostat 6. Faites cuire la pâte à blanc. Piquez le fond avec une fourchette et posez par-dessus un disque de papier sulfurisé, comme ceci, et recouvrez-le de noyaux d'abricot ou de légumes secs. Enfournez pendant 20 minutes en retirant les légumes secs à mi-cuisson. Lavez les citrons et en zestez deux. Pressez les citrons dans une casserole, faites chauffer le jus de citron avec le sucre et les œufs. Remuez et commencez à faire chauffer à feu doux. Attention de toujours remuer lorsque les œufs sont ajoutés, car la crème de citron pourrait brûler. Mélangez, puis ajoutez le zeste de citron. Et la maïzena. Portez à ébullition sans cesser de fouetter. Dès que le mélange commence à épaissir, retirez la casserole du feu et laissez refroidir pendant 10 minutes environ. Ajoutez le beurre petit à petit dans la casserole en remuant bien pour l'incorporer. Sortez la tarte du four et versez par-dessus la crème au citron. Laissez refroidir quelques heures avant de servir. Vous pouvez préparer de la même façon une tarte à l'orange ou à la mandarine, dans ce cas prévoyez 7 mandarines.